Le Javelin S-15 est un système de missiles anti-aériens techniquement perfectionné. Le Javelin a pour rôle principal d'assurer la protection contre les attaques aériennes à basse altitude. On peut aussi l'utiliser contre les blindages légers, les véhicules non blindés et les fortifications de campagne. Portatif, le Javelin peut être mis en action en quelques secondes. Il est précis et résistant. Le Javelin a fait ses preuves comme arme de soutien dans les interventions maritimes et terrestres de l'OTAN à travers le monde. Un détachement complet de Javelin est formé de 3 personnes. Le numéro 1, le commandant du détachement. Le numéro 2, l'opérateur. Le numéro 3, le chauffeur signaleur. Une troupe de Javelin comprend 6 détachements. Le commandant de troupe coordonne les activités de la troupe. Cette vidéo vous donne un aperçu des responsabilités du commandant de troupe et des tâches des membres d'un détachement pendant un déploiement sur le terrain. Charlie, 1-1, ici 1, phare d'avertissement. La séquence commence quand le QG transmet un ordre d'avertissement au commandant de troupe. Dès la réception de l'ordre d'avertissement, le commandant de troupe fait une première évaluation du temps. Aussitôt cette évaluation complétée, le commandant de troupe transmet un ordre d'avertissement à son sergent-major de troupe, le SMT. Un bravo, point de mission. Cet ordre va donner au SMT autant d'informations que possible, y compris les tâches imminentes, l'emplacement et le lieu de rendez-vous. Quand l'ordre « Préparez-vous à bouger » est donné par le commandant de troupe ou par le SMT, tout l'équipement est retiré, à l'exception de 2 missiles, du dispositif de pointage, de la radio et du matériel individuel de combat du numéro 1. Après avoir reçu ses ordres, le commandant de troupe complète une évaluation détaillée du temps et de la carte. Cette étape devrait normalement être suivie par une reconnaissance qui comprend la liaison avec d'autres unités. La planification terminée, le commandant de troupe calcule le moment précis du cessez-le-feu. 1-1 Romeo, 1 Alpha 1400, 1 Bravo, support général, 1 Charlie en location, 1 Delta, grade Alpha. Après avoir reçu l'ordre du cessez-le-feu, le détachement rassemble tout l'équipement qui reste et se prépare à avancer jusqu'à la position de rassemblement choisie par le SMT. La position de rassemblement est occupée par les véhicules échelonnés par ordre alphanumérique le long de la route. Quand tous les détachements sont arrivés, le SMT prend le commandement et conduit la troupe de Javelin au rendez-vous. Le rendez-vous devrait être situé de 1000 à 1500 mètres du point vital, au milieu d'un camouflage naturel. Les véhicules devraient s'approcher du rendez-vous en faisant face aux forces ennemies. Au rendez-vous, les commandants de détachement sont responsables de l'application des règles qui ont trait au bruit et à la dispersion. Ils s'assurent aussi que le plan de piste est maintenu et que les sentinelles sont en poste. Tous les commandants de détachement se rapportent au centre du rendez-vous pour rencontrer le commandant de troupe. À ce groupe d'ordre, le commandant de troupe fournit les informations détaillées et nécessaires pour que les commandants de détachement puissent accomplir leurs tâches. La majeure partie de cette information se trouve sur les cartes de données de l'emplacement des armes. À la fin des ordres, les détachements de Javelin se dirigent sans délai vers l'emplacement qui leur a été assigné. Le véhicule du détachement
devrait être conduit aussi près que possible de l'emplacement, sans toutefois mettre en péril la valeur tactique de la position du détachement. L'opérateur transporte un missile, de même que le dispositif de pointage et une batterie au lithium. Le commandant du détachement transporte un missile dans le contenant portatif, ainsi que l'équipement des transmissions et son matériel individuel de combat, jusqu'à une position intérimaire. Le chauffeur signaleur retire et camoufle le véhicule avant d'apporter le reste de l'équipement. Après s'être rapporté prêt au poste de commandement de la troupe, le commandant du détachement complète une reconnaissance de 100 mètres afin de sélectionner la meilleure position de rechange, l'aire de repos et la fosse dératée. La reconnaissance terminée, le commandant du détachement prépare le tableau de bataille et établit la routine de travail. Quand les détachements sont positionnés de la bonne façon et à l'heure prévue, qu'ils sont adéquatement équipés, bien informés et prêts pour le combat, le commandant de troupe a rempli avec succès la tâche fondamentale à laquelle tous les commandants sont confrontés, c'est-à-dire gérer la question du temps et de l'espace. Le javelin est un système d'armes de défense anti-aérienne efficace. En tant que tel, le javelin occupe une place importante au sein des forces de combat du Canada et du monde entier.